Salut, alors je m'appelle Christophe, j'ai 14 ans et je vais vous montrer un de mes jeux préférés. Oh, j'ai du mal. Ça s'appelle Habbo, c'est sorti en 2013, développé par Ubisoft, bien sûr. C'est un jeu excellent, c'est une sorte de simulation une simulation de la vie en fait. Et là, c'est mon appartement, donc vous voyez à quel point il est très bien meublé. Donc j'ai un lit, une petite table basse, une lampe, un canapé, une petite plante verte, mais qui est pas très verte, mais plutôt rouge. Une table pour faire je sais pas quoi, parce qu'on peut rien faire avec, elle est juste là en tant que décor. Et un petit fauteuil. D'ailleurs, je vais m'asseoir dans le fauteuil. Voilà. Alors donc là, vous venez voir un élément de gameplay très important dans ce jeu-là, c'est qu'on peut s'asseoir quand on fait un clic gauche sur quelque chose. Ça marche aussi avec le canapé. Donc si j'essaye le canapé, vous voyez, hop, je m'assois dessus. Et je peux même choisir de prendre la place de gauche en cliquant sur la place de gauche. Voilà, donc on voit quand même que c'est pas de la merde. Je pense que ça a quand même dû prendre assez de temps pour être développé, mais en tout cas ça marche bien, ça bug pas trop, et c'est assez plaisant. Alors pareil avec le lit, si on clique du côté gauche sur le lit, eh ben elle s'allonge dedans, hein. Et si on clique du côté droit, eh ben elle va s'allonger du côté droit normalement. Voilà, donc vous voyez que c'est assez bien fait. Bon, par contre, il n'y a pas encore la possibilité de s'allonger dans le sens de la largeur, c'est assez dommage. J'espère que les développeurs feront un petit patch, un petit correctif plus tard pour rendre le jeu encore plus immersif. Mais en tout cas, je trouve ça déjà vraiment pas mal. Au niveau de la lampe, on voit qu'on a une petite lampe. Je ne peux pas l'allumer, hein. Je peux cliquer dessus pour voir que ça a été acheté avec des pixels. Je me rappelle pas avoir acheté quelque chose avec des pixels un jour, mais apparemment c'est le cas, hein. Voilà. Et puis c'est à peu près tout, voilà. Donc en gros, Habbo, c'est ça, c'est une petite simulation d'appartement où vous ne pouvez absolument rien faire à l'intérieur. Et puis c'est tout, voilà. À part marcher sur des cases comme ça, marcher, 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 tourner en rond et c'est super. Vous avez aussi la possibilité de faire des actions avec votre avatar. Donc on peut par exemple saluer quelqu'un. Hey, salut, coucou, voilà, il lève le bras, il est content. Elle lève le bras plutôt, elle est contente. On peut aussi se mettre à s'asseoir apparemment, mais oui, elle s'assoit par terre. Putain, c'est franchement c'est bien fait quand même. Donc on peut s'asseoir par terre, c'est quand même assez intéressant. Anthony Susi est homosexuel. Et on peut danser aussi. Alors ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, hein. Par contre, elle a pas envie de danser là. Danse, voilà, donc là elle se met à danser. Donc on pourrait croire qu'elle a le syndrome de Gilles de la Tourette ou qu'elle est prise d'une crise d'épilepsie, mais en fait non, non, elle est en train de danser, voilà, et on peut choisir de ne plus danser. Alors si le jeu vous plaît, vous avez la possibilité de payer, donc pour la modique somme d'à peu près 10 euros, je pense, vous pouvez débloquer une action qui est l'action de rire, voilà, hein, c'est super intéressant, et vous pouvez aussi acheter l'action embrasser pour embrasser quelqu'un. Voilà, donc l'action embrasser est assez importante dans ce jeu-là, donc je vous conseille, si vous vous y mettez, de la débloquer rapidement et de claquer votre portefeuille, parce que, faut pas se le cacher quand même, c'est un jeu assez hot, hein, on tombe sur des pédophiles d'à peu près 50 ans qui vous draguent, donc c'est si vous avez la possibilité d'avoir l'action embrasser, c'est quand même beaucoup mieux pour aguicher les hommes, hein, voilà. Donc je vous ai présenté à peu près tout ce qu'il y avait dans le jeu, hein, donc je vais quand même terminer en vous montrant un lieu assez intéressant, assez branché, dirais-je. Voilà, donc c'est une sorte de, je n'en sais pas trop en fait. Il y a une piscine où on peut baiser à l'intérieur. Donc là, ces deux jeunes enfants sont en train de baiser à l'intérieur, je suppose. On a la possibilité d'acheter des boissons, voilà. Donc allez, je vais acheter une boisson. Est-ce que je peux acheter une boisson? Non, je ne peux pas. Oui, donc ça marche que par RP en fait. Faut marquer bonjour, j'ai une boisson, et puis elle nous offre une boisson qui ne sert à rien. Et puis ça pourrait être tout. Ici on a des chiottes. Et voilà. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que vous aurez envie d'y jouer, hein. Si vous voulez jouer avec moi, vous m'ajoutez en ami, je réponds au doux nom de Chat en vrac. Ah, il y a quelqu'un qui me parle. Oui. C'est moi, oui. MDR, voilà. Mon pseudonyme l'a rendu MDR. Donc là, je pense que je l'ai un petit peu trollé à mort et qu'il est complètement poker face. Donc là, j'ai un autre enfant de 12 ans ou peut-être un pédophile de 50 ans, je ne sais pas. C'est ça tout l'intérêt du jeu, c'est qu'on ne sait pas sur qui on tombe. C'est toujours très, très, très. Voilà, c'est plein de surprises et c'est ce qui rend le jeu vraiment très cool. Donc apparemment, je suis une coquine, donc je vais écrire. Oui, je suis une sacrée coquine. Et Anthony Sozzi secoue des verges avec sa bouche. Voilà. Donc
que il n'y a plus grand-chose à dire, hein, mis à part le fait que vous avez des centaines et des centaines, en fait, non, vous avez quoi, une petite dizaine d'endroits à visiter, hein, comme ça. Donc là, si c'est une boîte de nuit, si je dis pas de conneries, vu l'image, voilà, ça ressemble à une boîte de, ouais, ça ressemble pas trop à une boîte de nuit en fait. Mais bon, voilà, c'est une sorte de boîte de nuit où on fait des rencontres et on n'a pas besoin de montrer sa carte d'identité pour entrer, donc c'est ça, c'est sympa, voilà. J'espère que ben, vous allez vous y mettre, hein, parce que bon, les jeux du style League of Legends, tout ça, c'est un petit peu pour les noobs, hein, donc mettez-vous sérieusement sur Habbo, une fois qu'on y a pris goût, on s'arrête plus. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo où vous apprendrez plein de trucs intéressants et surtout où vous découvrirez des jeux vraiment géniaux. Je vais peut-être faire une petite vidéo sur taradoncan-lejeu.com, mais je suis pas très très fort encore, donc je pense que ce sera pas très intéressant à regarder. Voilà. Allez, bisous à tous.